Alors, pour cette nouvelle journée, je vais débloquer les brochettes de citron. C'est parfait. Et du coup, je vais les mettre là. Brochettes de citron et hot dog. On va se concentrer sur ces deux recettes. Et potentiellement, même si je crois qu'ils sont ratés, je pourrais mettre quand même mes petits cœurs. Voilà. Va falloir que je refasse des hamburgers. Donc, farine, levure, œuf. Je commence à m'en rappeler de tête. Voilà, 3 œufs. Je crois qu'il va m'en falloir pour faire des hot dogs. J'en ai plus que 3. Je vais quand même les ranger en attendant. Ok, ça c'est fait. Du coup, les pains à burger. Nickel. Ah, pourquoi j'ai refait des pains à burger? Je devais faire les burgers? Je crois que les hot dogs, je les ai finis. Attendez. Faut que je vérifie, je sais plus déjà. Ah ouais, je voulais pas refaire des burgers. Ben, tant pis. Je les ferai la prochaine fois. Ok. Je vais quand même faire les pains à hot dog. J'avais oublié de mettre le beurre. Voilà. Je vais le remélanger un peu. Le temps d'aller ranger ça. Ok, ça c'est fait. Alors, les pains à burger, je vais les mettre, je vais les empiler là. Voilà, sachant que ceux-là, ceux du tout, ils sont déjà cuits, mais bon, pour l'instant, je vais pas m'en servir de ça. Par contre, ça, je vais en mettre dans une assiette. Je peux me mettre là. J'ai failli faire tomber le plat. Voilà. Alors, piment et poivre. Non, j'ai mis 4 poivres. Là aussi. Il fallait que j'en mette que 3. Hop, le piment. Très bien. Hop, je vais les faire cuire, donc ça on va les enlever. Ah oui, ça se retourne ou pas les saucisses? Je me rappelle plus. Ouais, de chaque côté. Donc, je suis obligée de les mettre une par une. Pourquoi elle ne cuit pas celle-là? Bon, ben écoutez, je sais pas pourquoi j'ai pas pu les faire cuire de chaque côté. Mais enfin bon. Plutôt mettre ça là. Deux. Je vais rajouter les 3 pains hot dog parce que le dernier je vais le faire cuire un peu plus. Voilà, donc là normalement j'aurai largement assez de hot dog. Je vais plutôt inverser parce que ça c'est les pains à burger. Il va me falloir pommes de terre oignons. Ah, ben voilà.
Il faut que je fasse comme j'ai dit là. Donc, pommes de terre. Je vais faire les quatre. Les quatre oignons et faudra que je retourne en chercher. 3, 4. Très bien, ça je vais les faire cuire. Les oignons, pareil. Et 4. Sans oublier la saucisse, hein. Ok, je vais la sortir 30 secondes. Ça, c'est pareil, c'est bon. Alors, pour le hot dog, alors ça, je vais le ramener là-bas. Parce que j'en aurai besoin pour la prochaine fois. On va prendre une assiette comme ça. Donc, il faut que je fasse finir de cuire le pain. Il cuit plus. Ah, ça y est, c'est bon. La saucisse. Un truc comme ça. Et un truc comme ça. Et là, c'est bon pour le hot dog. Parfait. Hop, ça, j'y mets là. J'y mets là en bas. Et maintenant, il va falloir que je me fasse la préparation pour la brochette de citron. Pour la brochette de citron. Donc, il va me falloir la poitrine de poulet, du citron, tomate, piment vert, oignon. Très bien. On va acheter tout ça. Je crois qu'il me reste une poitrine de poulet, mais je vais en reprendre. On va faire ça. Ça, j'ai tout préparé. Tomate, oignon, piment vert, j'ai dit. Le persil, j'ai encore ce qu'il faut. Alors, je préfère y ranger directement et revenir chercher ce que j'ai besoin en fait. Ah, mais j'en ai encore des tomates. J'en ai une tonne. Je vais les mettre en bas. Voilà, piment vert.
tomates, il va m'en falloir. Donc voilà, oignons. Il va falloir au moins 4. Piment vert, ben, je pense qu'il va m'en falloir au moins 4 également. Donc ça, c'est OK. Il faudra vraiment que j'investisse dans d'autres frigos, hein. Donc, sel, piment. Ah, super. Sel, piment. On va trancher ça. Ok, maintenant j'ai plus qu'à y mettre sur mes brochettes. Je vais finir par y arriver. Hein. Alors, ça, on est ok. Ensuite, poitrine de poulet, citron, cuire pendant 30 secondes. Détacher de la brochette sous forme de stick, ajouter dans une assiette grillée tomates et oignons. Allez, c'est parti pour ça. Après, ce sera au tour des brochettes. Je vais plutôt les mettre là-dessus. Ah, mais je crois que je dois les retourner, les brochettes, non? C'est possible. Donc, je préfère les mettre une par une, en fait. Ouais, ce sera mieux. Donc, pour ça, c'est bon. Parfait. Je vais me garder un comme ça, un comme ça, un comme ça. Le reste, au frais. Et là, je peux y laisser dans la plaque. Je pense pas que ce soit gênant. L'assiette, je vais la mettre là. Pareil pour les brochettes, alors. Une, deux, trois et quatre. Et là, on arrête. Oh là, c'est en train de... Alors, hop, ça c'est ma brochette. Voilà. Deux. Et trois. C'était quoi ça? Ah oui, c'est mon persil. Du coup, je vais m'en prendre un de persil. Et je servirai dans cette assiette. Voilà. On enlève le stick comme ça. Voilà. Tomate, machin et petit piment. Et ben voilà. Il faut faire entre 18 et 23 clients. On va les faire largement. Allez, c'est parti pour la dernière journée. Il faut juste que je prête attention au plat. Hot dog, petit cœur. Dommage que je puisse pas mettre deux fois la même assiette en fait sur les autres comptoirs. Très bien. J'espère qu'il y a du monde qui va venir. Je vais l'aider un petit peu. Va falloir que je refasse une, deux, trois. Deux, trois. Ouais, il faut que je refasse une assiette.
de brochette. Donc je vais la mettre là. Il va me falloir un oignon, une tomate, un truc comme ça, et une tranche de persil, une assiette. Oh mon Dieu. Et la brochette. Ok, ça c'est bon. Monsieur, il a fini. C'est la fin de la journée. J'espère qu'il n'y aura pas plus d'une personne qui me demandera des brochettes. C'est bon, lui c'est bon. Monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Des petits cœurs encore? Mais pourquoi vous ne prenez pas mon hot dog, mes brochettes? Moi j'ai besoin de faire venir le gourmet bientôt, hein. Ok, il y a deux personnes. Alors, elle, des petits cœurs, c'est bon. Oh non! J'en ai d'autres. Je vais les mettre les 4, tant pis. Voilà. Ah, les gens, ils viennent au restaurant pour manger des petits cœurs. En fait, c'est le soir et ils prennent un goûter. Tout simplement. Voilà, et c'est bon? Bah, je crois que c'est bon, il n'y aura plus personne. C'était les derniers clients. Ok. Bon, du coup, on va rentrer. La journée est finie. Au revoir Nathalie. Bonne nuit dans le restaurant. Et alors, du coup, on en est où? Je vais faire juste vite faire un petit point. Je pense que la prochaine journée, on aura peut-être fini. Puisque je vais rien mettre d'autre à part des brochettes de citron et des hot dogs pour essayer de d'avancer sur ça. Ouais, je vais faire ça. Voilà, on fera comme ça. Et j'ai des dettes à payer, bien sûr. À chaque fois, je les oublie. Alors, on a fait quoi? Bien sûr, on a pris du grade à tous les plats, ça c'est normal. Résumé de la journée. Parfait. Par contre, pourquoi je vois pas des étoiles là-haut? C'est parce que ça devrait pas se mettre en jaune, genre quand j'ai réussi? Je sais pas trop. Bon, en tout cas, on a fait du profit, donc c'est cool.